nous avons eu le plaisir aujourd'hui de recevoir les ingénieurs d'IRESEN avec l'université Mohamed VI qui ont conçu et mis en place la borne de recharge de véhicules que vous voyez ici présente. Comme vous le savez, le secteur automobile est en train de se transformer en profondeur et de devenir électrique. Nous avons déjà plusieurs Marocains qui ont acheté des véhicules électriques et qui ont besoin de recharge, et évidemment qui stressent quand ils font de longues distances entre différentes villes, et nous avons besoin de bornes. Ce qui est intéressant, c'est que nos ingénieurs ont pu la concevoir. C'est un produit qui est très recherché aujourd'hui, où il y a une grande compétition mondiale de comment on peut produire ces bornes de recharge et quelle est leur capacité. Les ingénieurs marocains sont arrivés, comme souvent, à réaliser des innovations de grande qualité. Le ministère les accompagne pour pouvoir industrialiser, transformer ce process. Il y a plusieurs étapes. Donc, passer d'un prototype à de l'industrialisation, ça c'est la première étape. La deuxième, c'est d'accompagner avec des subventions quand c'est nécessaire pour avoir des sous-traitants et que l'ensemble de l'écosystème soit complet et qu'il puisse avoir un taux d'intégration le plus important possible. Troisième volet, c'est la commercialisation au Maroc, donc les accompagner pour avoir des places pour les installer dans des stations d'essence, etc., et d'avoir des accords avec tous les distributeurs possibles. Et le dernier volet qui est le plus important à nos yeux, c'est d'ouvrir les marchés internationaux à de la production marocaine, à des produits marocains de haute valeur ajoutée. C'est vrai que le Maroc a été capable de faire des masques, c'est vrai que le Maroc a été capable de faire un certain nombre de choses que les gens ont vues à l'international. Mais le Maroc a été capable de faire aussi énormément de choses technologiques. Des réacteurs d'avions, des respirateurs artificiels, des bornes et bien d'autres choses, le test PCR et bien d'autres choses. Ce qui démontre désormais que la confiance que Sa Majesté le Roi Mohamed VI a en notre pays, en notre jeunesse et en nos capacités d'innovation est véritablement au niveau et que notre jeunesse le rend bien en étant mobilisée, déterminée à accompagner le pays dans toutes ses étapes. Nous sommes partis d'une étape de pandémie, nous sommes encore dedans, mais déjà dans cette période, nos chercheurs, nos ingénieurs se sont mobilisés pour faire énormément de choses, y compris de continuer à innover dans des domaines aussi technologiques et pointus que le véhicule électrique. Donc aujourd'hui, nous avons le plaisir de présenter une borne de recharge pour véhicules électriques, une borne de recharge marocaine qui a été conçue, développée, designée et fabriquée par des ressources humaines marocaines. Et c'est un véritable transfert technologique. Nous sommes passés d'un centre de recherche, d'un travail de l'université à un produit pré-industriel qui est certifié et qui sera commercialisé à partir de février 2021. C'est une réelle pour nous exemple pour démontrer la capacité de nos ingénieurs, de nos chercheurs à développer des produits innovants. Alors pourquoi cette borne est innovante? C'est une borne qui est modulaire, qui existe en différentes versions. Elle peut être intégrée au niveau du mur, en version murale. Elle peut être fixée sur pied ou elle existe également dans une solution intégrée au candélabre pour l'éclairage, donc la possibilité de pouvoir rapidement déployer plusieurs points de recharge. Cette borne a aussi comme objectif d'accompagner, d'offrir plusieurs avantages aux communes, aux villes, puisqu'elle dispose de plusieurs capteurs, tels que le capteur CO2. Elle permet de donner des informations sur la pollution. Elle permet également aussi d'avoir une information sur l'état de la borne à travers une plateforme de monitoring et de suivi. Dernier point, les ingénieurs ont intégré aussi un projecteur. Donc le soir, il y a la possibilité de projeter des informations ou également aussi de la publicité, puisque cette borne est vraiment intégrée au niveau de la ville de demain.
Pour suivre toute l'actualité d'EcoActu.ma, inscrivez-vous sur notre chaîne YouTube et rejoignez notre communauté sur Facebook et sur les autres réseaux sociaux.